Salut à tous, c'est Melo Kiniko, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Movie Star Planet et encore une vidéo assez spéciale parce qu'on va pas faire grand chose dans cette vidéo à part parler et ouvrir des cadeaux. D'ailleurs, je vous remercie d'avance de m'avoir offert autant de cadeaux, je sais pas combien il y en a, on va peut-être pas ouvrir tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet, en fait j'ai vu un mec commenter une photo à moi, donc en fait j'avais mis un compteur avec mes abonnés, tout ça, avec custom et tout ça. Et ça me fait toujours plaisir de partager... ce que j'ai gagné, ce que j'ai, ma communauté, etc. Ça me fait plaisir de le montrer. Et il y a un gars qui a ramené sa fraise, là, pour être poli, qui a ramené sa gueule, bon allez. En disant qu'il fallait que j'arrête YouTube tout simplement. Parce que de toute façon, ça ne servait plus à rien, je n'avance plus sur YouTube. Et que c'était de la merde, quoi. Voilà, il m'a clairement fait comprendre. Je suis pas les autres YouTubeurs Movie Star Planet. Je suis pas du tout les autres YouTubeurs MSP. Je m'en fous totalement, mais vraiment. Totalement, je suis pas les autres, je suis moi, tu mets au Kimiko, point. J'avance à mon rythme, j'avance comme je peux, je fais ce que je peux. En ce moment, c'est vrai que je poste moins, je fais moins de live parce que je travaille. Et oui, il y a des gens qui travaillent, il y a des youtubeurs qui bossent et qui font des vidéos à côté. Et bien, moi je travaille et je fais mes vidéos à côté, donc j'essaye de faire comme je peux, comme j'ai le temps, comme je le sens, si j'ai de l'inspiration, si je suis pas stressée, etc. Donc voilà, quand j'ai le temps, j'essaye de vous sortir des vidéos à peu près tous les jours. J'essaye en ce moment du moins. Je sais que les lives ça n'avance plus du tout. Je vais essayer de reprendre ça, genre les week-ends et tout ça, mais vu que je bosse, c'est compliqué. Enfin, le week-end, je bosse pas pour l'instant, mais en semaine, je peux pas. Que vous ayez des vacances scolaires, quoi, moi ça change rien, j'ai pas de vacances scolaires moi, donc je peux vraiment pas. Donc j'avance vraiment à mon rythme. Très beau, 29 600 abonnés, sachant que mes abonnés c'est des vrais. C'est pour ça que je suis plus trop de VIP en ce moment et j'en fais gagner que 2 bientôt là. Que je n'en peux plus que les gens ils s'abonnent pour rien. Et moi je préfère avoir 29 000 abonnés qui sont là quand quand il y a quelque chose, que 200 000 abonnés ou 50 000 abonnés ou 60 000 abonnés inactifs qui foutent rien, qui sont là juste pour les intérêts. Ah non merci, non c'est pas trop mon truc ce genre de choses. Donc je vois pas pourquoi ce mec là, ce gamin de je pense 14 ans, il a ramené sa fraise sur une fille de 19 ans. T'as pas d'ordre à me donner, t'as rien à m'apprendre. YouTube, je fais ça depuis un moment, je fais même ça avant certaines personnes. Et oui, pour certaines personnes, j'avance pas depuis le temps. Et c'est normal aussi. Si je fais pas de contenu régulier, les gens, c'est normal qu'ils me regardent moins. Et oui, comment vous dire aussi, j'ai pas trop envie de faire de putaclic. Non, je ne veux pas faire de putaclic. Je préfère continuer à mon rythme. Moi, je suis très bien à mon rythme. C'est tout, je m'en fous, j'ai pas besoin de faire du putaclic ou quoi. Je m'en tape complètement. Je fais des vidéos parce que j'aime ça. Je fais pas des vidéos pour gagner 200 000 abonnés en 2 jours. Je m'en fous, mais complètement. Si toi tu penses qu'aux abonnés, toi le petit gars qui m'a dit ça, mais fais ta chaîne, fais du putaclic, attire les gens, plein de likes pour avoir plein de trucs et tout, être célèbre, tout ça. Voilà, si tu commences comme ça déjà, arrête. Enfin voilà, ça me saoule parce que ça, on me le dit très souvent. Donc les gens qui ramènent leur cul à me dire que je gagne plus rien, que je devrais arrêter YouTube au lieu de continuer parce que j'ai plus de visibilité et que. Je sers à rien, rien à foutre de ce que tu penses. Enfin voilà, pour dire que je fais ça juste pour parce que j'aime vous montrer des choses et faire des vidéos et vous remercier et tout ça, et que j'aime énormément ma communauté. Tiens, c'est une délité d'user au niveau des cadeaux. Génial. Donc voilà, et bah sur ce, j'en ai terminé. Je vous ai expliqué ce que je voulais vous expliquer. Et j'espère que ce petit gars il regardera la vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.